Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je remercie tous ceux qui me suivent sur mes différentes pages YouTube, Facebook. Vraiment, merci beaucoup à vous. Et aussi vous qui likez, vous qui laissez les messages. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter juste, on dit la Renaissance. Quand on dit Renaissance, j'aimerais vraiment vous expliquer. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. La Renaissance de Laurent Gbagbo, je vais décortiquer ça. Et puis vous-même, au Palais de la Culture, il y a cinq jeunes, tu lui as posé des questions. Mais vous-même, vous allez écouter les réponses que Gbagbo leur a données. Un à un, il dit, quand on dit est-ce président, jusqu'à moi-même, je suis assis par tes pieds, il dit, Seigneur, il y a. Nous-mêmes, on partait à la poubelle et puis on ne se rendait pas compte. Durant 10 ans, voici la première question. Vous-même, vous allez écouter et je vais décortiquer. Vous-même, vous allez comprendre que Laurent Gbagbo, là, franchement, ceux qui peuvent le suivre, peuvent le suivre. Mais la jeunesse ivoirienne, moi, je vous interpelle pour dire, faisons beaucoup très attention. Ne soyons pas fanatiques de tel X ou Z et puis être lucides ou bêtes et suivre des gens comme cela. Voici quelqu'un qui est un ancien chef de l'État. Et on lui pose des questions, il ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Voici la première question que la jeune fille va lui poser. Et vous-même, vous allez écouter ce qu'elle va poser comme question. Et vous allez écouter aussi la réponse de Laurent Gbagbo. Et on va décortiquer pas à pas. Aujourd'hui, c'est 5 questions, hein. Mais je vais prendre 2 questions seulement. Demain, dans la soirée encore, je vais faire un direct. Et on va aller pas à pas. Vous allez mieux comprendre que Laurent Gbagbo, moi, je ne trouve pas ça. Moi, je ne le trouve pas comme l'exemple de la politique. Je ne le trouve pas. Moi, je le dis. Hein. Si vraiment, il y a des gens qui... Voici la première. Attends, je vais allumer mon woofer d'abord. Vous allez voir où... Yéli, maintenant, là, c'est le direct. C'est le direct maintenant. On participe au Ce sont de direct. droits privés. Bon. Écoutez très bien. Ça, c'est le palais de la culture. Mettez les cœurs, parlez de la culture, écoutez très bien. La première question. Je suis Diara Ami et je suis étudiante à l'université de Jean-Lorion Guédé en master 1 de droit privé. Voilà. Précisément, je suis en carême, mais j'ai effectué le déplacement tellement cet événement-là me tenait à cœur. Parce qu'il y avait une question vraiment très urgente à poser au président, monsieur Laurent Gbagbo. Voilà, ma question est la suivante. Je voudrais savoir, monsieur le président, vous êtes revenu, bonne arrivée à vous, on attendait votre retour. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi nous, la jeunesse ivoirienne, devons-nous avoir confiance en votre leadership au détriment des leaders des autres partis politiques? Je ne sais pas si ma question a été bien perçue. D'accord. Donc, Sa question est dit. Écoutez très bien. savoir, monsieur le président, pourquoi nous, la jeunesse ivoirienne, devons-nous avoir confiance en votre leadership au détriment des leaders des autres partis politiques? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez, je pense que il y a la question, il y a d'autres qui n'ont pas compris la question que la jeune fille a posée. Ah, Manou, merci beaucoup pour la. Je te salue aussi. Elle dit, Monsieur le Président, elle va répéter encore. Là, vous allez mieux comprendre. Attendez, écoutez. Hein. Donc, je voudrais savoir, Monsieur le Président, pourquoi nous, la jeunesse ivoirienne, devons-nous avoir confiance en votre leadership au détriment des leaders des autres partis politiques? C'est tellement simple comme question. Monsieur le Président, tu parles trop, tu parles trop. On voit les choses, les Stéphane Kipré, on voit les Kone Katina, on voit Maman Odette Nourignon en train de dire le 6 va devenir 9, avec des propos vraiment négatifs qui passent sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Mais qu'est-ce qui nous prouve que vraiment, qui peut nous donner la confiance de te suivre? Vraiment, regardez ce que Laurent Gbagbo va donner comme réponse. Écoutez très bien. Vous allez mieux comprendre que. Hey, oh Seigneur, il est décoté. Voilà, merci beaucoup. Elle dit merci.
Merci. Ça, c'est la première question. Ça, c'est la première question. Je vais répondre d'abord à cette question. C'est une demoiselle. Une demoiselle. Qui est en face de moi. Qui avait posé cette question. Vas-y. Mais elle n'est pas obligée. Je veux dire que elle n'est pas. Vous voyez, elle a posé la question. C'est quelle garantie tu nous donnes? C'est quoi tu nous donnes ou c'est quoi tu vas nous dire pour qu'on puisse te suivre? Et regardez ce que Laurent Gbagbo dit. Il dit, elle n'est pas obligée. Il dit, elle n'est pas obligée. Vous voyez la jeunesse, vous attendez. Vous qui suivez des gens parce que vous êtes fan de la personne ou soit quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 10 ans. On lui pose la question. Tu dis, tu es candidat, tu veux être candidat aux élections de 2025. On te pose la question. Monsieur le Président, dis-nous, c'est quoi tu nous proposes et c'est quoi tu peux vraiment nous rassurer que franchement, que toi, là, on peut te faire confiance pour te voter dans les choses à les élections de 2025. Tu dis, nous, on n'est pas obligé de te suivre. Donc, si on n'est pas obligé de te suivre là, dis à tes partisans ou dis à tes vidomans là, ils n'ont qu'à arrêter d'insulter, de rentrer dans un jus de n'importe quoi. Faut leur dire, ils n'ont qu'à arrêter. Parce que ça veut dire, eux-mêmes ont dit, dans la vie là, quand tu vois un enfant en train de faire des bêtises, et on attend que ses parents ne parlent pas là, ce que ses parents me cautionnent ça. Voici Laurent Gbagbo. Comment une jeune fille te pose la question? Dis-nous. Qu'est-ce qui nous rassure vraiment que toi, là, si tu viens au pouvoir, là, tu ne vas pas faire des bêtises. Tu dis, nous, on n'est pas obligés de te suivre. Écoutez la suite, hein. On s'en va. Parce qu'il y a des gens, quand il a fini de parler, là, il y a des gens qui n'ont pas bien étudié et qui n'ont pas bien cerné, qui n'ont pas bien compris ce que Laurent Gbagbo a dit. Ah, ça, là, après, encore, c'est dit, non, que oui, nous, on dit, la jeunesse, là, nous, on dit, et on le redit, on le répète encore. On suit celui qui développe le pays. On suit encore des gens qui sont vraiment motivés à développer la Côte d'Ivoire. Moi, je dis toujours, celui qui développe mon pays, celui qui a des idées pour le développement de mon pays, moi, je vais te suivre haut et fort. Mais regardez, on continue. Hein. Écoutez très bien. J'ai cette question. Mais elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée de faire confiance en tel homme politique ou en tel autre. Les hommes politiques sont comme des commerçants. Chacun vend sa marchandise. Toi, tu viens au marché, tu regardes, tu achètes ce qui te plaît. Vous voyez, il dit les politiciens, ils sont comme les vendeurs au marché. Nous là, nous sommes des quoi? Acheteurs. Quand tu viens, tu arrives dans un marché, tu veux acheter quelque chose. Tu t'en vas acheter le commerçant qui t'arrange. Mais avant d'aller acheter la chose, comment tu vas faire? Il y a des promotions. Il y a des femmes où il y a des mamans qui disent, oh, mon frère, ma jeune soeur, viens ici, pour moi est bon. Pour moi est bon. Voyez tel prix. Et toi-même, tu t'es renseigné. Si ça te plaît, tu t'en acheté. Maintenant, elle te dit non que oui, parce que lui, il a pris l'exemple. Lui, il a pris l'exemple pour dire au marché. Vous voyez des bêtises de 2010 encore, les gars venus ramener. Eh, les Ivoiriens, réveillons-nous. Nos cerveaux là, s'il vous plaît, il est temps de mettre ça à jour. Parce que la jeune fille, elle a posé la question. Vraiment, papa, dis-nous la vérité. Tu dis, on n'a qu'à te suivre. Mais qu'est-ce qui nous garantit que vraiment, si toi, tu viens au pouvoir là, voyez ce que tu vas faire. Tu dis, ouais, tu n'es pas obligé de me suivre. Tu n'es pas obligé de me suivre.
Et si tu t'en vas au marché, les vendeuses là, toi tu peux faire ton choix d'aller acheter. Mais s'ils n'ont pas fait les promotions des marchandises là, est-ce qu'il peut aller acheter? Non. Je peux aller chez la personne et puis il voit que oui, c'est pas bon. C'est qu'elle est en train de vendre là, ou le prix là m'arrange pas, je vais changer. Au moins si le même prix, les gars vendent les mêmes prix et puis je vois que oui, c'est que la dame a dit, ou le monsieur a dit, le vendeur a dit, ça m'a bien rassuré, je peux acheter. Je peux acheter. Vous voyez? Donc, s'ils n'ont pas de projet là, ils n'ont qu'à arrêter de là, ils n'ont qu'à la fermer. Giga de 2010 là, hein, giga de 2023 là. C'est pas même giga. Mes frères et sœurs, c'est pas même giga. C'est pas même giga. On continue, hein. Vous allez, ça, c'est la question, la première question, hein. Vous allez mieux comprendre, vous, là, surtout cette jeunesse ivoirienne, là, ne soyons pas bêtes. Parce que si on suit des gens qui n'ont pas de projet, là, arrivé au mal, nos parents même vont nous dire non, que nous, on est bêtes. Ils vont nous dire, nous, on est bêtes. Babou Laurent, il n'a pas de. Quand on dit un vrai, au moins, ça, s'il n'avait pas encore géré le pays, je peux dire oui, il n'a pas encore géré le pays, on va le tester. Mais 10 années, et puis tu reviens. Regardez ce qu'il dit. On continue. Hein. C'est deux questions seulement. Dans 5 questions, c'est 2 questions que je vais vous présenter. Demain encore là, je vais mettre encore les deux. On s'en va pas à pas. Vous allez mieux comprendre. On est dedans. On est là. Je plains. Regardez les sous-là, tu souris. Wow. Ça dit ce qu'il a dit là. Ça allait plaire. Wow. Oh, le sens. Mais toi, mais tu es assis. Tu connais même pas la personne, ce qu'il est en train de dire. Jamais, jamais, jamais on ne t'arrêtera ou on ne te mettra en prison parce que tu as acheté telle marchandise au lieu de telle autre. Jamais. Vous avez attendu, hein? Il dit. Si les élections approchent et les élections arrivent, chacun peut faire son choix à sa manière. Ce n'est pas pour cela qu'ils vont te mettre en prison, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Vous voyez, non? Quand à chaque fois quand il fait mes vidéos, il dit, cette jeunesse, on n'a qu'à faire très attention. La Côte d'Ivoire compte sur nous. L'espoir de la Côte d'Ivoire repose sur cette jeunesse. Il est temps, nous aussi, on puisse être vraiment honnête d'aller de l'avant avec le pays. Aujourd'hui, on voit les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. Nous tous, on reconnaît, on fait les pubs de ça. Mais les autres pays même reconnaissent que oui, ce monsieur qui est au pouvoir, papa a du travail. On continue, hein. On lui pose la question et regardez ce qu'il est en train de dire. Eh Seigneur. Eh non. Telle marchandise au lieu de telle autre, jamais. Donc, nous, ce que nous avons, c'est la parole. On a la parole ou dire. Mais une fois que vous choisissez, c'est trop tard. Vous avez attendu? Il dit, lui, il a la parole. Mais une fois que vous choisissez, c'est déjà trop tard. Ça veut dire, lui, mais où il est là, même là. Si toi, tu es aujourd'hui, s'il devait être candidat, et puis tu le suis, et tu l'as voté, il devait être président, c'est que c'est déjà trop tard. Ça veut dire, toi-même, là, tu as pris ton avenir comme ça, tu as mis ça dans la poubelle, vous. C'est ça, il est en train de dire. Le français, là, on est dedans. On va aller pas à pas, et on est dedans. On continue, hein. Le pouvoir déjà et avec ce pouvoir là on peut même vous arrêter. Vous voyez bien. Or aujourd'hui la chance que vous avez c'est que la plupart, enfin, il y a au moins trois. Au moins trois. Trois, au moins trois. Bédier, Gbagbo lui-même
et Alassane. Voici les trois. On continue, hein? Ça veut dire la question que la jeune fille a posée là. Ce n'est pas la réponse que lui est en train de donner. Qu'est-ce qui nous garantit que toi-même, si tu viens au pouvoir, pourquoi toi tu veux qu'on a qu'à te suivre? La jeune fille a posé la question. Mais tu nous racontes que des bêtises. Il dit, partagez la vidéo là, au maximum. Partagez la vidéo là. Ça arrive chez les gars. Que les mentons, même qu'ils appellent Laurent Gbagbo là. On lui pose 5 questions. La première question, lui, il rentre en brousse. C'est celui-là encore là. Lui, pense que lui, c'est 2010 ou 2002 ou 2000 quoi là même. Il va dire et puis on va rire. C'est ceux qui rient à ceux qui ne savent pas. Il y a d'autres là, ils ont bu coup de coup. Ils ont bu belay, ils ont bu ce qui. Ils sont saoulés. Donc, ici, Gbagbo parle là. Ils vont rire. Ils vont l'encourager dans ses bêtises. Or, lui, il ne sait pas que où il est là. Ceux qui sont à l'acclamer, ils sont à le mettre dans les erreurs. C'est là qu'il ne connaît pas. On continue. L'erreur, là, il va assumer lui seul. Au moins trois. Au moins trois qui ont été au pouvoir. Qui ont été mis au pouvoir par vos votes. Nous sommes au moins trois. Et vous avez vu comment chacun agit. Vous avez vu ce que chacun a fait. Vous avez entendu? Ils sont trois. Bédier, Laurent Gbagbo et Alassane. Ils sont venus au pouvoir. Vous avez vu comment ils ont agi. Vous avez vu comment ils ont travaillé. Vous attendez à ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous avez attendu? Est-ce que vous avez attendu? Mon frère, je ne t'ai pas envoyé ici. Si tu veux, la faute est désabonné. Voilà. Je ne t'ai pas demandé pardon de venir t'abonner à ma page. Moi, je suis là pour parler aux Ivoiriens. Cédric Siaoubia, faut te désabonner. Je ne t'ai pas invité ici. Moi, j'ai dit la vérité. Ouvrez vos cerveaux. Ne soyons pas... Vos cerveaux, tu es constipé là. Quittez dedans. On vous explique quelque chose. Vous écoutez des gens parce que vous êtes fanatique. Moi, nous, on n'est pas là. Être fanatique, idiot, là, nous, on n'est pas dedans. Nous, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Même si Laurent Gbagbo me devient président, il travaille pour la Côte d'Ivoire, là, moi, je vais le suivre. Moi, il le dit toujours. Mais je ne peux pas. On lui pose des questions et puis il rentre en brousse, là. Là-bas, là, nous, on va le chercher en brousse. On va le mettre encore sur la route pour lui. Il n'a qu'à nous dire dirigeant encore. On n'est pas là. Nous ne sommes pas en 2025, hein. Voilà, nous ne sommes pas, il y a dit 2025, nous ne sommes pas en 2010 ou 2002 ou 2005 là. On s'est dit les vérités. Quand il y a la vérité là, on va se dire. On continue. Vous avez vu ce que chacun a fait. Par rapport à ça, vous choisissez et vous êtes libre. Et vous êtes libre. Voilà. N'est-ce pas, mademoiselle? Voilà. C'est... La deuxième question. Vous avez entendu ce qu'il a dit? La jeune fille a posé simple question. Monsieur le Président, est-ce Monsieur le Président, vraiment, vous êtes trois candidats. Quand on dit, parmi politiques ivoiriennes, il y a trois grosses têtes, Bédier, Gbagbo et Ado. Voici les trois. Mais qu'est-ce qui nous garant? Et qu'est-ce que toi, mais tu nous proposes pour que nous, on puisse te suivre? Laurent Gbagbo dit, nous, on n'est pas obligé de le suivre. Ça, c'est un. De deux, Laurent Gbagbo dit, si tu t'en vas au marché, parce que les proverbes que les gars font là, les proverbes, là, souvent, mais eux se noient dans leurs proverbes. Quand tu es au marché, dès que tu arrives au marché, tu t'en acheter la chose. Ça dépend de où tu vas aller acheter. Mais si la personne ne fait pas pour dada, ah, venez acheter chez moi est bon, zouzou wawo. Nous-mêmes, on s'en va au marché à chaque fois, on dit zouzou wawo. Quand on dit zouzou wawo, c'est une bonne chose. Zouzou wawo, venez ici, il y en a. Et l'acheteur s'approche pour acheter. C'est parce que la personne a fait pour dada de son produit. Mais Laurent Gbagbo, on te pose la question. Dis-nous, papa, vraiment, tu as été président de la République pendant 10 ans. Dis-nous. Au moins, tu peux dire, ah, moi, ils m'ont enlevé par les fusils. Nous tous, on a vu. Ah, vraiment,
Le temps qu'ils voulaient prendre pour arranger le pays, vraiment, ils m'ont enlevé au pouvoir. Je ne suis plus président. Ils m'ont amené là-bas en prison. Tu peux faire des trucs, tu peux trouver un argument. Mais où tu es en train de parler? Hein? Tu ne nous rassures pas. Toi-même, tu l'as bien dit, non, que nous-mêmes, là, on n'est pas obligé de te suivre. Donc, on est là, on t'attend. Hein? Voici la deuxième question. Il y a une dame encore, elle va poser la question. Je ne sais pas si c'est une dame parce que il est bien découpé. Parce que ça, là, c'est au palais de la culture, ça s'est passé. Pour Figaro, là, il n'est pas bien cerné ça. Donc, pour Figaro, c'était juste la présentation de sa femme. Voyez, à chaque fois, il présente sa femme. Voici ma femme, remercier Nadi Bamba. Remercier ceci. On va toujours remercier Nadi Bamba. Mais chaque fois que tu vas faire tes meetings, et puis on dit Renaissance. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle Renaissance. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont rien encore compris. Quand on dit Renaissance, il y a des gens. Je sais que le français là, on va décortiquer, on est là. Voyez la deuxième question. Et Android est maintenant là, vraiment, ça fait qu'aujourd'hui là, on devient intelligent. 2010, Android n'était pas versé. Ah. Papa Lola, bravo, tu as décollé là, là. Voici la deuxième question. Écoutons. Bonsoir, Monsieur le Président. Ok. Je me nomme Esther Yao, étudiante en Master 1. Esther Yao, là, c'est maintenant, c'est envers les Akans, Baoulé. À l'Université Félix Houphouët-Boigny. Mm-hmm. Monsieur le Président, vous avez dénoncé dans l'un de votre interview que la jeunesse ivoirienne a surpeuplé la ville d'Abidjan. Nous voulons savoir, en tant que politique, quelles propositions vous faites à la jeunesse pour qu'elle reste dans les différentes régions. Est-ce que vous avez cerné, vous avez attendu ce que la jeune fille a posé comme question? Elle dit, Monsieur le Président, tu dis en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, des jeunes sont versés là-bas que dans les autres villes de Côte d'Ivoire. Surpeuplés. C'est-à-dire, ils sont nombreux même que dans les autres pays et dans les autres villes. Voici Laurent Gbagbo qui va poser, qui va répondre à la question. On s'en va, hein? Les gars, vous avez un problème. Effectivement, je pense que Abidjan est surpeuplé. Abidjan est surpeuplé. Même tout à l'heure, quand on venait là, ça, c'est pas Abidjan des samedis, ça. Avant, les samedis à Abidjan, on prenait sa voiture pour aller se promener et revenir. Aujourd'hui, Abidjan est vraiment surpeuplé. Et quand j'étais président, j'avais trouvé bonne l'idée contenue dans la loi que Oufouet avait fait voter en 82 de 30. Il dit 82. Gbagbo dit Oufouet a voté une loi en 82. Après, je vais vous présenter une vidéo où Gbagbo le rend en 2010, où lui-même va parler. Il va dire non qu'en 83. Vous voyez, il y a deux versions. Seigneur. Bon, on peut se tromper les dates, hein, mais on continue. La transférer la capitale à Yamoussoukro. Il dit. Félix Houphouët-Boigny, son excellence, le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, a voté une loi de transférer capital à Yamoussoukro. Il va enlever capital là, à Abidjan pour envoyer ça à Yamoussoukro. Écoutez ce que Gbagbo va dire. On s'en va, hein? Seigneur. Au moins, ça allait désengorger Abidjan. Oh, ça va, hein? Et je pensais fort que comme cette loi existe, on peut s'appuyer dessus et puis créer des infrastructures gouvernementales pour
d'engorger Abidjan. Mais comme le ministère, il dit, Félix Boigny a voté une loi en 82 de dire ils vont prendre capital pour envoyer ça à Yamoussoukro. Voici Gbagbo qui dit non, qu'il s'est déjà là, qu'on a qu'à faire ça. Regardez, hein, je suis allé faire les recherches. Je vous dis, la jeunesse, je suis avec vous. Moi, monsieur, je suis un jeune, j'ai fini à faire les recherches. Voici Laurent Gbagbo, ce qu'il a dit avant-hier, là, samedi. Écoutez très bien ce qu'il a dit en 2008. Écoutez très bien. Concernant capital, là, écoutez très bien ce qu'il va dire. On s'en va. Écoutez très bien. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Je suis arrivé au pouvoir aussi. On me dit, je trouve les papiers. Il y a la loi de 1983 qui met la capitale à Yamoussoukro. J'étais contre. Vous avez attendu? Il dit en 83, quand lui l'est vu, quand il a vu, il était en exil, il était en France. Et Félix Boigny, le père fondateur, a voté une loi de dire que oui, ils vont prendre capital, ils vont transférer ça à Yamoussoukro. Et lui s'est imposé, il dit non, que lui n'aime pas ça. Écoutez, hein, aujourd'hui, celui qui dit non, que oui, il y a une loi que Félix Boigny a votée, qu'on doit appliquer, on doit enlever. Il y a des choses à Abidjan comme capital pour envoyer ça à Yamoussoukro. Vous voyez déjà. Hier, tu as dit non que toi, tu t'es imposé. Quand il vous dit non que oui, le petit malheur, le petit truc qui nous tracasse, qui n'aime pas l'évolution de la Côte d'Ivoire, c'est lui. Voici Félix Boigny, le visionnaire, de la Côte d'Ivoire, a décidé de dire non que oui, je vais prendre capital, je vais enlever ça à Abidjan pour envoyer ça à Yamoussoukro. Il sait pourquoi lui l'a dit. Mais Gbagbo Laura s'est imposé. Le pourquoi il s'est imposé, écoutez très bien. Hey, Seigneur, hier il a dit au palais de la culture, il dit on doit enlever capital là à Abidjan pour envoyer ça à Yamoussoukro. Aujourd'hui il est d'accord. Hier il s'est imposé, hein. Écoutez très bien. À Yamoussoukro. J'étais contre. Il était contre. En 83. En 83. J'étais en exil en France, mais j'étais contre. Et je vais vous expliquer pourquoi j'étais contre. Il va nous expliquer pourquoi il était contre quand Félix Boigny a dit en 83, ils vont envoyer, capital à Yamoussoukro. Voici le pourquoi il s'est imposé. Il dit, on est là. Il dit, on va aller terre à terre. Eux n'ont pas dit, ils ont fini de décortiquer. On va aller. Eux, là, anciennes vidéos là sont là. On va aller pas à pas. Ils n'ont rien encore compris. On va aller pas à pas. Ça, là, c'est deux questions seulement que je vais décortiquer. Demain, là, les trois autres, là, je vais aller pas à pas et je vais décortiquer. Vous allez mieux comprendre que cette jeunesse-là, la jeunesse ivoirienne, il est temps. Gbagbo même a fait comme ça. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'aller s'enrôler. Il ne faudrait pas qu'on reste à la maison. On va dire, c'est lui là, il est vieux, lui là, il est vieux. On est fatigué de lui là, il est vieux, lui là, il est vieux. Faisons beaucoup très attention. Car demain, là, l'avenir nous appartient. Écoutez très bien. Pourquoi Laurent Gbagbo a dit non que oui? Lui, il n'est pas d'accord. Lui n'est pas d'accord qu'on envoie capital à Yamoussoukro. On transfère capital à Yamoussoukro. Voici ça. Écoutez. J'étais en exil en France, mais j'étais contre. Il était contre. Et je vais vous expliquer pourquoi j'étais contre. Explique-nous, vas-y. Oufoué Boigny était président de la République. Ouais. Et il a introduit. Partagé. Du maire d'Abidjan, Emmanuel Dulo. Un président. De loi, une proposition de loi. Pour que la capitale aille dans son village. J'ai dit, si on fait ça, tous les présidents vont être tentés de mettre la capitale dans leur village. Vous avez entendu, non? On bise encore.
Il dit, pourquoi lui s'est imposé qu'on envoie Capital à Yamoussoukro? Laurent Gbagbo a constaté que si Capital venait à Yamoussoukro, donc ça veut dire tous les présidents qui vont passer, eux, ils vont prendre Capital pour envoyer ça dans les régions là-bas ou dans les villes là-bas. C'est pour cela que lui s'est imposé. Mais lui ne savait pas que pourquoi papa, le père fondateur, a dit ça. Aujourd'hui, voici ça, c'est en train de rattraper Laurent Gbagbo lui-même. Hé, Seigneur. Il dit, non, quand il décortique les choses comme ça, là, c'est trop chic. Il dit, le gars, là, envoyez cette vidéo-là au gars. On dit la renaissance. C'est ça qu'on appelle la renaissance. On est dedans. Ça, c'est ancienne vidéo d'abord. Hein. C'est qui l'a dit hier, là. C'est ça, je suis là, le rattraper dedans. On s'en va. Il dit, Oufou est mort. Lui, il a l'aise. Il est devenu président. Lui, il a l'aise. Il va maintenant construire Yamoussoukro. Mais quand il est venu, est-ce qu'il a construit Yamoussoukro? Est-ce qu'il a construit Yamoussoukro? Vous qui êtes à Yamoussoukro, vous qui m'écoutez aujourd'hui, là, de 2000 jusqu'en 2010, là, et aujourd'hui, les réalisations que vous voyez à Yamoussoukro, là, comparez les deux. Est-ce qu'entre les réalisations d'aujourd'hui et les réalisations des temps de Gbagbo là-haut, est-ce que les deux choses, si on peut les comparer, de vous à moi, laissez ça en commentaire. Est-ce qu'on peut les comparer? Celui qui va parler encore que lui, on va savoir. Et il faut le faire, il faut empêcher. Peut-être qu'il faut, il faut voter un additif à cette loi. Il faut empêcher qu'on nous promette nos capitales de village de chef d'État en village de chef d'État. Partagez. Pour qu'on n'amène pas la capitale à maman, demain, après demain. Vous avez attendu? Vous avez bien entendu ce que Laurent Gbagbo a dit? Son Excellence, Papa Laurent Gbagbo, ce qu'il a dit. Aujourd'hui, au palais, hier au palais de la culture, il a dit quoi? Que capitale là? On peut transférer ça à Yamoussoukro, on peut amener ça à Yamoussoukro. Aujourd'hui, pourquoi toi tu dis non qu'on n'a qu'à envoyer Capital à Yamoussoukro? Parce que la jeune fille t'a posé la question, c'est toi mais tu l'as dit dans l'une de tes vidéos. Tu as dit non que oui, que Abidjan est peuplé, surpeuplé même par la jeunesse. La jeune fille t'a posé la même question. Tu nous parles de dire non que oui, n'a qu'à transférer Capital à Yamoussoukro. Toi-même, hier encore, ce qui t'a dit, voici ça. Tu dis, toi, tu t'es imposé. Quand Félix Fouboigny a dit non, qu'ils n'ont qu'à envoyer Capital à Yamoussoukro, toi, tu n'étais pas d'accord. Vous voyez des manipulations qui sont entre vraiment ce que Gbagbo est en train de faire, en train de nous montrer sa face cachée. C'est ça, il est en train de nous montrer. Et nous aussi, là, on ne peut pas tomber dedans. On continue la question de la jeune fille. Parce que, elle n'a pas encore fini. Laurent Gbagbo n'a pas encore donné ça. On s'en va, hein? Comme le micro de là-bas, le ministère ne suffit pas comme infrastructure gouvernementale. Il faut les directions de ceci, les directions de cela. Et qu'on ne pourrait pas faire ça très vite. J'ai achevé rapidement la construction de l'autoroute entre Abidjan et Yamoussoukro. Bon, de vous à moi, la jeune fille a posé la question. Comment faire pour que cette jeunesse-là, tu dis, Abidjan est surpeuplée par la jeunesse? Mais à quoi c'est devenu parler des routes? Tu as fait route d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, de Tiébissou. Bon, ça a quoi à voir dedans? La question qu'elle t'a posée là, ça a quoi à voir dedans? Tu dis Abidjan est surpeuplé. Ça a quoi à voir dedans avec les routes que toi tu as fait jusqu'à. Faut nous prendre au sérieux, Gbagbo. Papa, faut nous prendre au sérieux.
faut nous prendre au sérieux. La question qu'on te pose là, va droit au but. Arrête de dire oui, j'ai fait route ici, oui, on n'a qu'à prendre capital. Tu nous apprends quoi là? Faut nous prendre au sérieux. Nous, on ne dort plus, hein. Quand il dit on ne dort plus, on ne dort plus pour dire non que vous allez nous parler et puis on va accepter ça comme ça. Non. Nous, on va faire des recherches dans vos dits là, vos dits d'avant là, on va décortiquer ça, pièce par pièce. On s'en va. L'autoroute s'était arrêtée à Saint-Grobo avant. J'ai construit l'autoroute entre Saint-Grobo et Yamoussoukro et ça s'est achevé. Vous avez entendu? L'autoroute Saint-Grobo à Yamoussoukro. Est-ce que la jeune fille qui a posé la question de la jeune fille, elle dit, papa, mon excellence, son excellence, papa Koulou le rang babo. Tu dis Abigail est supplé par la jeunesse. Mais à quoi sert de toujours parler de la route, de vous à moi? Est-ce que c'est la réponse que Babou est en train de donner là? Est-ce que c'est la vraie réponse que Babou est en train de donner là? Trouve-nous des choses vraiment qui peut nous intéresser. Mais ce qu'il est en train de dire, ça ne colle pas. Ça ne colle pas la jeunesse ivoirienne. Réveillons-nous, réveillons-nous. Parce que quand on dort comme cela là, c'est comme réveillons-nous. C'est pas la réponse. C'est pas la réponse les Ivoiriens attendent. C'est pas la réponse. Tidi Abigail est supplé. Et tu nous parles de la route. Et Yamoussoukro, et ça s'est achevé. J'ai construit l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale devait nous être livrée, je l'ai confiée à Pierre Fakouri, hein. Et pour l'autoroute, j'ai emprunté l'argent aux banques arabes qui m'ont proposé la société Sorubat, qui est une société tunisienne, qui a fait le travail jusqu'à Yamoussoukro. Vous qui parlez, vous les gars qui parlez pour dire non que papa doit entrer de prendre crédit matin, midi, soir. Voici Laurent Gbagbo même, son excellence Laurent Gbagbo a dit qu'il allait prendre prêt aux Arabes. Il allait prendre prêt aux Arabes. Vous voyez? Quand on vous dit, vous mettez vos propos là, ça vous condamne toujours. Il n'est pas vraiment si la vérité. La jeune fille lui pose une simple question. Tu dis, toi, mais dans ta propre bouche, tu dis, Abigail est peuplé. Et tu viens nous raconter, oui, j'ai construit, j'ai fait ceci. Est-ce que c'est la réponse? Allez, Traoré. Il dit, n'est pas cohérent. C'est ça, tu es là où on est dedans. Il y a une société tunisienne qui a fait le travail jusqu'à Yamoussoukro. Et puis, donc, Pierre Fakouri a construit l'Assemblée nationale qui devait m'être livrée en 2012. On m'a arrêté en 2011. Vous voyez, est-ce que la jeune fille a posé la question, papa, qu'est-ce que t'as envoyé pour qu'on puisse t'arrêter? Là, quand c'est comme cela, tu peux expliquer comment ils ont fait. Mais tu es en train d'expliquer, oui, ton arrestation, oui, tu as construit ceci, tu as allé demander prêt. C'est pas la question. C'est pas... Si tu fais tes meetings, tu fais tes conférences à des grâces, papa. Faut pas, tu vas dire les jeunes n'ont qu'à venir te poser des questions. Pas les questions, là. C'est ça, nous, les Ivoiriens, surtout la jeunesse même. C'est ça, nous, on te pose. Mais tu ne nous donnes pas la réponse. Hey, le go. Hey, venez dire à nos papas. Nos pépés, papa, Koudou Dourak Babou.
Il n'a qu'à lui, il n'a qu'à lui, il n'a qu'à lui mettre droit chez mais sinon là, là, il rentre en brousse. On m'a arrêté en 2011. On m'a arrêté en 2011. Bon, on a continué, j'ai commencé à construire la présidence de la République. Mais tout le monde peut aller visiter. Hein? Vous pouvez aller visiter l'Assemblée nationale, la présidence de la République. Bon, quant à l'autoroute, vous pouvez aller dessus jusqu'à Yamoussoukro. Donc, voilà. Et pour moi, ça devait être la grande opération de désengorgement d'Abidjan. Il dit tout. La route, oh, c'est qui l'Assemblée nationale, de quoi il a construit à Yamoussoukro. Il ne sait pas c'est quoi il a construit à Yamoussoukro. C'est ça qui pouvait vraiment. C'est ça qui pouvait vraiment soulager et aussi faire que faut pas les jeunes vont être remplis. Abidjan. Mais papa, tu dis tu as fait plus de l'Assemblée nationale. Moi, mais où je suis là? Dans ma famille même, il n'y a pas quelqu'un qui travaille là-bas. Des jeunes là, nous qui... Cette jeunesse là, à 100%, il y a 99% de leurs parents qui ne travaillent pas là-bas. Où tu penses que c'est là-bas là? Tu vas soulager des jeunes à aller là-bas là. On ne connaît pas. Dans ton discours, là vraiment faut revoir encore, on continue, hein? On continue. Des simples questions. André, ils sont là poser des questions à un jeune ou à un monsieur qui n'a jamais géré le pouvoir. Là, quand c'est comme ça, on peut dire oui, mais toi tu as géré le pouvoir pendant 10 années, regarde comment toi mais tu donnes les réponses. On te pose la question, tu dis non. La question est simple. Mais toi-même, dans ta propre bouche, papa, tu as dit non que oui, Abidjan est surpeuplé par des jeunes. La jeune fille te repose la même question. Tu nous parles des réalisations que toi, tu as fait, les routes que tu as fait, ceci tu as fait. Mais ce n'est pas ça la question. La réponse que tu en veux là, ce n'est pas ça. Dis-nous. Oh, Dieu avait fait juste deux vidéos, deux questions que les jeunes ont posées. Là, les trois questions, là, il met ça dans la placard. Demain, là, demain à 7 h, là, on va aller mourir. Il dit chaque jour, retenez, hein, chaque jour, il y aura des directs sur ma page Facebook. Chaque jour, il y aura des directs sur ma page Facebook. Et on va continuer pas à pas. On va s'habituer maintenant aux directs sur Facebook. Et n'oubliez pas aussi de partager mes vidéos au maximum, liker et aussi encouragez-moi à laisser les pouces, les cœurs, tout ça là. Et on va avancer. On continue. Si la capitale est transférée à Yamoussoukro, si les services y sont transférés, Abidjan est de facto désengorgé. Mais cela n'a pas été fait. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose. Il faut faire la décentralisation. Vrai. Eh, Seigneur. Vrai. J'ai dit vrai. C'est-à-dire, il faut créer les conseils généraux des départements. Et après créer une dizaine de régions, parce qu'il faut que chaque région, moi je ne suis pas pour 33 régions, ça ne sert pas à grand chose, mais il faut que chaque région ait au moins un CHU et au moins une université. Il dit
chaque ville doit avoir CHU et aussi université. C'est bien ça. Mais Laurent Gbagbo, quand tu étais au pouvoir, bon, son excellence, est-ce président Laurent Gbagbo, quand tu étais au pouvoir, dis-nous, depuis, tu as fait tes 10 ans, faut nous dire, ta femme Simone là, elle a fait quel hôpital que nous on connaît et que nous on connaît pas, et puis tu vas nous dire c'est dans quel truc, et puis nous on va aller visiter. Aujourd'hui, regardez, maman Dominique Ouattara, quand il vient comme cela là, on dit on est en train de construire hôpital dans telle ville. Tu tous même, on dit, viens, oh, t'as tout là, allons-y. Maman Dominique Ouattara a fait hôpital là-bas, là, on va te soigner. Quand on dit université là, regardez, c'est en train de pousser même, papa doit en train de faire université par-ci, par-là. Ça là encore, là, tu vas. Seigneur. Souvent là, y a des gens, non, le bonheur là, souvent ça arrive au toka. C'est au toka là, mais ça arrive beaucoup. Des gens ont lutté. Lui-même, il a lutté pour venir au pouvoir. Regardez ce qu'il est en train de, il a fait. Et aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de dire. Toi, ils t'ont donné 50 milliards. La Banque mondiale t'a donné 50 milliards. Il n'y avait que des déchets à Abidjan, simple à Abidjan. Il faut nettoyer Abidjan. Tu n'as pas pu nettoyer Abidjan. Oh, les 50 milliards là, ça pouvait arranger une ville. Malgré quand tu étais au pouvoir, le pays était divisé en deux. Ce n'est pas fait dire, non, le pays même complet qui était dans ta main. Le pays est divisé en deux. Moitié du pays que toi tu as pris. Pourquoi tu n'as pas arrangé? Pourquoi tu n'as pas arrangé? Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de parler des universités. Oui, CHU. Oui, pourquoi il n'y a pas hôpital ici, il n'y a pas hôpital. Mais, ça là, c'est quelle honte ça là. Et puis c'est ça là encore là. 2025, on te pose la question. Tu n'arrives pas à répondre. Et puis, des gens encore, il y a des nomades encore qui sont là matin, qui veulent encore. Seigneur. On continue. Oh. Attends. Vous allez écouter et après, on va continuer. Et au moins une université. Et ça, c'est possible quand c'est 10. Mais si vous dites le 33. Il y a quelqu'un, tu m'appelles là, il sait pas. Donc, mais tout cela n'a pas été fait. Tout cela n'a pas été fait. Donc, chère madame, c'est une dame qui a posé cette question. Voilà. Chère madame, pour désengorger Abidjan, premièrement, il faut mettre la capitale à Yamoussoukro. Vous avez attendu, hein? Envoyer capitale à Yamoussoukro. Je vous ai fait jouer ancienne vidéo de Laurent Gbagbo où lui-même il a dit dans sa propre bouche que je me suis imposé pourquoi, le quoi, en 1983, que Félix Houphouët-Boigny voulait envoyer capitale à Yamoussoukro et je me suis imposé. Pour dire, c'est pas normal. Aujourd'hui, il nous dit, Laurent Gbagbo nous dit, que pour que la jeunesse ne se focalise pas sur Abidjan, ils vont envoyer capital. Ils n'ont qu'à envoyer capital à Yamoussoukro. Mais, papa, faut attendre d'abord. C'est pas toi qui es au pouvoir d'abord. C'est pas toi qui es au pouvoir d'abord. Parce que ce qu'il est en train de dire là, celui qui est au pouvoir là, ça dépend de son carnet d'adresse. Ça dépend aussi. Sa manière de voir le pays, de diriger, et puis aussi de fonctionner. C'est pas toi, tu vas lui dire non, qu'on n'a qu'à envoyer capital à Yamoussoukro. Et ils vont envoyer capital à Yamoussoukro. Tu as fait 10 années. On n'a pas eu démarrer, pousser, démarrer. On n'a pas vu ça. On a vu que les monuments, papa n'a monumental, on a vu ça. Aujourd'hui, là, on est en train de voir les réalisations. C'est ce qu'on voit en Europe, là. C'est ce qu'on voit ici à l'aventure, ici, là. C'est en train de pousser en Côte d'Ivoire. C'est pour cela, nous, on dit à cette jeunesse que, hé, réveillons-nous. Réveillons-nous. On continue. Et aussi, ceux qui veulent vraiment intervenir dans la vidéo, vous pouvez faire appel, hein, parce qu'il n'a pas mis mon numéro, mais la prochaine fois, je vais mettre mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer une invitation aussi et on peut échanger. Voilà, c'est qui vous pensez aussi, vous pouvez parler de ça. L'infrastructure existe déjà. Les infrastructures existent déjà là-bas. Il faudra 12 mois pour les activer. Et comme ça, vous allez voir
Abidjan, il y a moins de circulation. Parce que je vous assure, c'est terrible, la circulation à Abidjan. Quand il m'arrive de vouloir aller chez mon défunt ami Sangaré Abdourahmane, est-ce que la jeune fille a posé la question, pourquoi tu dis non que oui, Abidjan est rempli des jeunes? Toi, tu vas nous parler des trajets d'aller voir Sangaré, ton ami Abdourahmane Sangaré, tu es mort. Tu vas nous parler de la route, tu vas... Ouf, on ne comprend pas. Ça, là, vous voyez la réponse qu'il est en train de donner. Vous voyez encore. Mais toi, attaque est fini. Oh, ça, là, c'est les deux questions qu'on lui a posées. Hein. Parmi les cinq questions, c'est deux questions que je vais vous présenter ce soir-là. Et demain, on va aller pas à pas. Chaque jour, venez, on va dialoguer, on va échanger. On est là-haut. Facebook, là. Facebook, là. Abba avait dit, on est dedans. C'est la catastrophe. Hein? C'est la catastrophe. À Cocody même. De Cocody à Cocody. De Cocody à Cocody. Ça arrive seulement de Cocody à Cocody. La troisième question. Bon, la troisième question, là, c'est demain, vous allez écouter la troisième question, voilà. Pour mieux avancer, voilà. Donc, la troisième question, c'est demain, on va continuer. Troisième question, quatrième question, et puis la cinquième question. Dans la vie, vous savez, il y a des gens, nous, on n'a pas encore géré un pays, mais on ne sait jamais. On peut commencer un peu comme ça, et puis ministre, poste de ministre peut sortir comme ça. Ou tata peut sortir comme ça, et puis un jour, on va espérer, de dire, on va être président. On ne sait jamais. Le destin, là, c'est déjà tracé, mais on ne sait pas. Vous avez attendu et vous avez vraiment écouté ce qui, les deux questions que je vous ai présentées. La première question, vous avez écouté. Laurent Gbagbo a dit. La première question est que la jeune fille a dit, son excellence, Papa Koudou Laurent Gbagbo, tu dis, on n'a qu'à te suivre. Mais qu'est-ce que nous gardons? Qu'est-ce que toi tu nous proposes pour que nous on puisse te suivre? Laurent Gbagbo dit, nous on n'est pas obligé de le suivre. Ça c'est un d'abord. Et de deux, si nous on s'en va au marché, on s'en va acheter là, on s'en va acheter des marchandises là, on fait nos choix, il n'y a pas de problème. Mais quand on arrive au marché, pour faire toi-même ton propre choix, il y a des gens qui vont te proposer pour dire, viens ma chérie, viens mon jeune frère, viens acheter ici. Et puis toi, mec, tu t'en vas écouter la personne. C'est qui la personne va te dire si ça t'intéresse que tu achètes, si ça t'intéresse pas là, mais tu quittes là. C'est pour cela, c'est vous. Si les réseaux sociaux, regardez tes militants, regardez bien tes militants, tes vidéomans. Matin, midi, soir, c'est eux qui vont rentrer dans la partie intime de leurs proches, de leurs parents. C'est eux qui vont dire des trucs négatifs. C'est eux qui vont encore inciter la haine pour dire neuf va devenir six va devenir neuf. Mais moi, je n'ai jamais vu les PPACI, les vidomans des GOR, des PPACI. Aujourd'hui, voici la vérité qui vient de s'éclater comme ça. Ça veut dire, vos vidomans des nuls là, voici branche de voici la tête est là. On lui pose les questions. Il ne répond pas à ça. Il dit non, que capital, oui, on n'a qu'à déplacer capital pour envoyer à Yamoussoukro. Mais à Yamoussoukro, que tu dis non, qu'à envoyer capital là. Quand Félix Boigny, le père fondateur, le visionnaire, a parlé de ça, tu t'es imposé. Tu dis non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et tu as donné le pourquoi ce n'est pas normal. Vous voyez. C'est ceux-là comme ça qui veut que nous, 2025, là, nous, on n'a qu'à les voter. Mais aujourd'hui, si on me place Bédier, hein, Laurent Gbagbo, il préfère Bédier. Bédier, lui, parle pas. Bédier, mais il parle pas là même. C'est mieux même que venir. Venir même se humilier. Parce que ce qui est Gbagbo en train de faire là, il est en train de se humilier sans se rendre compte. Ceux qui l'entourent, ceux qui l'acclament, wow, il dit la vérité là. Ils sont à le mettre en erreur. L'erreur là, c'est lui qui va assumer. Ils sont à l'encourager. Il faut parler. On écoute, on t'écoute, il faut parler. C'est pas joli à voir. Tiens, Nassim, il a. Ancien chef de l'État. Quand un ancien chef de l'État vient, il veut venir prendre le pouvoir. Quand il parle comme cela, on dit oui. Vraiment, ce monsieur-là. Non, la guerre, dès la guerre s'est trompée. Dès les Ivoiriens qui
ont pris les armes, ils sont trompés, et puis ils ont enlevé Laurent Gbagbo au pouvoir. Mais aujourd'hui, regarde, quand on te pose des questions, tu n'arrives même pas à répondre. Mais ça veut dire que maintenant, on se rend compte que, ah, vraiment, ceux mecs qui ont lutté et puis ils t'ont enlevé au pouvoir, la gars, ils avaient raison. Ça veut dire, nous-mêmes, on était dans le noir. On ne se rendait pas compte que, oui, Gbagbo, Laurent nous mettait dans le noir. C'est méchant. La famille, demain, là, à cette heure-là, je vais faire encore. Parce que les jeunes gens ont posé 3 et 5 questions. Je vous ai fait écouter 2 questions. Il reste 3. Et aussi, au Palais de la Culture, j'ai vu Laurent Gbagbo, il est devenu pianiste. Il joue piano. Wang, wang. Ah, c'est bien. Donc, j'ai appris que on dit la CAN, inauguration là. C'est Fally Ipupa qui va venir là-bas. J'ai appris ça. Hein. J'ai appris ça. Mais vous qui voulez inviter à Fally, là, nous chez nous en Côte d'Ivoire, nous on a les stars et puis on a les artistes. Hein. On a les artistes. Voici un encore. Voici pianiste qui est là, Laurent Gbagbo. Vous pouvez le prendre comme inauguration. Il va inaugurer CAN. Hein, parce qu'il joue piano. Attendez, voir où il a joué piano. Vous allez écouter d'abord. Bah, comment il fait les trucs? Il y a toujours des preuves. Ah, ya. Attendez, j'ai cherché la vidéo où ils ont dit. Attends, il y a allumé au feu là. Il y a allumé au feu là. Là, quand il allume au feu comme ça. Partagez la vidéo. Partagez. Laurent Gbagbo va jouer musique. Laurent Gbagbo va jouer musique. Attendez. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Oh. C'était le génial. Écoutez, hein. On dit va aller jouer. Il va. C'est la fête de la Renaissance, première édition. Il y a beaucoup de musiciens. Il y a beaucoup de musiciens dans cette salle. Et le premier parmi eux. Et le premier parmi eux. Il s'appelle Laurent Gbagbo. C'est l'inauguration de Kanda. C'est Laurent Gbagbo qui va être le premier musicien. Donc il a très fait l'inauguration d'abord. Regardez. Hein. Il va venir au piano. Et il va égrener quelques notes pour nous. Attends, fais passer un peu. Laurent Gbagbo. Excusez-moi, j'ai coupé quoi. Je ne veux pas que vous puissiez pas. Je veux pas que vous dormez quoi. Parce que ça là, ça donne sommeil. C'est ce que Laurent Gbagbo a fait là, ça donne sommeil. Donc, dites aux gars des fédérations de football là, arrêtez de chercher les artistes. Voici Laurent Gbagbo, il peut inaugurer même la CAN là, avec piano. André, un enfant est en train de jouer ici piano. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On appelle ça nulla nulotto, narrate, yes, ouais. Il est parlé en anglais maintenant. Maintenant, là, on parle en anglais. Yes, man, il est nulla. C'est le président monumental, là. Ouais. Gbagbo Laurent, il s'appelle président monumental. Est-ce le président monumental? Il a fini à construire monument. C'est ce nom qui est là. Président monumental. On peut faire ça à Dama. C'est honteux. La famille. Vraiment, la prochaine fois, demain, je vais continuer aussi. Voilà, il reste 2-3 questions. Parmi les
trois questions, c'est les trois garçons. Oui, c'est les trois garçons, si je me rappelle. Oui, les trois garçons qui vont lui poser les trois questions qui restent. Vous, mais vous allez écouter encore ce qu'il va dire. Vous allez avoir la nausée encore. Bon, je vais m'arrêter là. Vraiment, si tu es nouveau et si tu as aimé aussi mon direct, il faut partager mon direct, liker, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous pour qu'on puisse vraiment arriver loin jusqu'à 100 000 abonnés. Et aussi, n'oubliez pas d'aller s'abonner si ma chaîne. Ouais, j'ai une chaîne YouTube aussi qui est aussi BGO. Voilà. Donc, abonnez-vous là-bas. J'ai plus de 34 000 et quelques abonnés. Voilà. 34 200 et quelques mille abonnés que je suis là-bas aussi, les gars, monsieur. Donc, ici aussi, encouragez-moi aussi. Ici, aujourd'hui, je suis à 24 000. Allons-y ensemble et on va décortiquer des trucs pas à pas. Oui, cette jeunesse-là, il est temps de se réveiller. Souvent, celui qui développe le pays. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Babou là, il va partir. Papa Ado là, il va partir. Papa Bédi là, il va partir. Nous-mêmes là, on va partir si c'est terre. Mais la Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. Celui qui développe le pays, on doit le soutenir haut et fort. C'est ça seulement, en fait. On ne peut pas rester là pour être fanatique. Jusqu'en fanatique, idiot, jamais de la vie. Et aussi, j'aimerais interpeller la jeunesse. Partez-vous enrôler. Oui, c'est nécessaire. Partez-vous enrôler. Parce que l'avenir même de notre destin nous appartient. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va quitter là-bas. Il va venir jouer piano. On te dit Abidjan est peuplé. Toi, mais tu as dit Abidjan est peuplé. Puis tu parles de autre chose. On est fatigué. La famille, vraiment, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas aussi de partager, liker. Je vous dis à très bientôt. Chaque jour, chaque soir, oui, chaque soir, il y aura un direct. Voilà, direct politique, direct de la vie, tout ça là. On peut se poser des questions, on va échanger aussi, et puis ça continue. Voilà, on va chercher, on va apprendre, on va changer de thème, quoi, de pas à pas, et terre à terre aussi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.